À Vancouver, c'est vrai que je tuais un peu le concours, j'étais ultra favorite et j'arrivais presque avec le poids d'une espèce de mission. Enfin, je m'étais fait un espèce de truc dans ma tête où en gros, je ne pouvais que gagner et ramener cette médaille à la France. Et je me suis vautrée totale, quoi. Donc, la question s'est posée de continuer ou pas. Ça a été déjà le premier pas pour venir ici à Sochi. Et ensuite, petit à petit, je me suis reconstruite parce que ça a fait mal, cette chute à Vancouver. Il a fallu reprendre de la confiance et puis progresser parce que l'idée pour rester au sommet, c'est pas de rester sur place, justement, c'est encore de progresser. Et aujourd'hui, franchement, j'arrive ici avec très égoïstement, quoi. Je suis là pour me faire plaisir, à tout faire et tout donner pour gagner cette médaille d'or. On a fait la reconnaissance ce matin, donc c'est un parcours assez joueur, très aérien. Ce matin, la neige était dure et il y avait encore quelques modifications à faire, mais ça va être une belle course et vivement qu'on puisse se taquiner à 4 dans le tracé. C'est le regard des autres qui a un peu changé sur moi. On attend, ils savent de quoi je suis capable, donc on va dire que c'est tout bénef pour moi. Après, moi, je me mets pas plus la pression. Je suis toujours la même personne que j'étais avant. Et puis, mon objectif, c'était de donner à fond pour viser une médaille.